Ce drame dans les Pyrénées-Atlantiques, 13 résidents d'un EHPAD sont décédés des suites de la Covid-19. Un cluster avait été découvert à la mi-septembre. Les détails avec notre journaliste sur place dans ce journal. Il lance un appel sur les réseaux sociaux. Un surfeur bordelais récemment amputé a perdu le bout de sa prothèse en surfant à Lesch-Cap-Ferret. Une prothèse faite sur mesure qu'il espère retrouver grâce à la marée. Et puis on vous emmène visiter la nouvelle pouponnière du département. Le bâtiment vient d'être rénové et modernisé pour accueillir chaque année une centaine de bébés sur décision de justice. Mais d'abord, ce sont des chiffres qui redonnent un peu d'espoir. La situation semble s'améliorer sur le terrain de l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé l'a dit hier en Gironde. Les dernières données de l'ARS vont dans le bon sens. Le taux d'incidence est passé de 140 cas pour 100 000 habitants à 102 ces derniers jours. Regardez pour la première fois depuis plusieurs semaines, le nombre d'hospitalisations est légèrement en baisse. Moins 12 personnes hospitalisées en Gironde et 8 de moins sur l'ensemble de la région. Mais Olivier Véran a rappelé que le virus circule encore très activement. Il ne faut pas relâcher les efforts puisque les chiffres sont toujours bien au-dessus des seuils d'alerte. Un communiqué de l'ARS qui fait froid dans le dos. 13 résidents d'un EHPAD d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques sont décédés des suites de la Covid-19. Un cluster avait été identifié quelques semaines plus tôt et les mesures de protection avaient pourtant été mises en place. Les détails avec Étienne Cherneka, journaliste Sud-Ouest sur place. Jusqu'à présent, on était au courant d'un cluster au sein de l'EHPAD depuis le 11 septembre. Il y avait 24 résidents testés positifs sur 95, ainsi que 2 soignants. Là, on est sur une soixantaine donc de cas positifs parmi les résidents et une quinzaine dans l'équipe soignante. Depuis le début du cluster, à partir du 11 septembre, même un petit peu avant, me semble-t-il, quelques jours avant, les résidents ont été confinés. On a séparé ceux qui étaient positifs des autres. Les visites ont été annulées. Il y a eu un renfort de l'équipe médicale, notamment du service de gériatrie de l'hôpital d'Oloron qui a fourni des médecins supplémentaires. La situation sanitaire fait que ce genre de cas risque, hélas, de se multiplier dans les semaines à venir. Voilà, et vous pouvez retrouver tous les détails sur le site sudouest.fr. Une bonne nouvelle pour les amateurs de fêtes foraines, la foire au plaisir de Bordeaux aura finalement lieu, mais elle sera restreinte après une réunion de dernière minute entre la préfecture et les forains hier. Seules 1000 personnes pourront circuler en même temps dans le périmètre de la place des Quinconces. Le président de l'association de la foire au plaisir a réagi hier sur notre plateau. Écoutez. Soulagé de pouvoir avoir le droit de travailler, et ce qu'on demandait suite à l'arrêt brutal que Madame la Préfète avait pris d'interdire les fêtes foraines, voilà, au moins aujourd'hui on est revenu sur le même pied d'égalité que tous les commerçants sédentaires. Pour nous c'est une satisfaction, évidemment avec les contraintes sanitaires qu'on va mettre en place avec la jauge de 1000 personnes qu'on accepte parce que les autres professions ont la même contrainte, donc on ne va pas là, mais quoi qu'il arrive, avec 1000 personnes, c'est que ça va être quand même moins 80% de chiffre d'affaires. Donc, c'est une mini-satisfaction, parce que dans la longueur, il va falloir qu'on ne peut pas rester avec les 1000 personnes. Donc, on va attaquer la foire comme ça. On fait un point, donc on va attaquer le 9, le 10, le samedi 10 octobre. Le 12, lundi 12, on va faire un point déjà des deux premiers jours. Et en fonction de ça, on espère que la jauge, le Covid va diminuer pour qu'on puisse augmenter la jauge. Voilà, vous l'avez compris, début des festivités donc de la foire au plaisir, ce sera le 10 octobre. Un appel à l'aide passé sur les réseaux sociaux. Geoffroy Moucheboeuf est un médecin et surfeur bordelais de 30 ans. Après un accident au mois de mars, il a dû être amputé de la jambe gauche, mais il n'a pas perdu de temps pour retourner à l'eau. 2 mois plus tard, il était sur une planche de surf grâce à une prothèse conçue sur mesure seulement. Voilà, cette semaine, en surfant vers la plage de la Garonne à Lesch-Cap-Ferret, Geoffroy Moucheboeuf a perdu ce bout de prothèse. Il espère que la marée le ramène sur la plage. Écoutez. Ce bout de prothèse, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein. Bon, il y a des prothèses qui existent pour la marche, pour courir, pour faire d'autres sports, mais pour le surf, il y a rien qui existe de très particulier à ma situation. Et donc, avec mon orthoprothésiste, c'est la Garrigue, ils ont été gentils de vouloir bien bosser sur le projet avec moi. Et on a fait un premier prototype de prothèse de surf qui me permet de me lever sur la planche et de pouvoir la surfer. Après, ça a été un travail. On a commencé ça en juin.
On a amélioré le prototype sur quelques mois maintenant. Et là, je commençais à bien surfer avec. C'est pour ça que je suis un peu triste de l'avoir perdu, parce que déjà, il y a beaucoup de matériel. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Et c'est la Garrigue qui me l'a donné, donc je suis très embarrassé. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de ressenti, en fait. C'est très intuitif, le surf. Donc, il y a eu des sessions photos qui ont permis d'améliorer la chose. Et puis, rien. Enfin, si on la retrouve, ça pourrait aussi servir à quelqu'un d'autre dans ma situation. C'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Voilà, si vous retrouvez la prothèse de Geoffroy, vous pouvez le contacter sur sa page Facebook Joe Flybeef. Dans l'actualité régionale, un drame qui s'est produit dans la petite commune de Puyraveaux en Charente-Maritime, c'était mercredi soir. Les corps sans vie d'un homme de 33 ans et d'une femme de 24 ans ont été retrouvés à leur domicile. Selon le parquet de La Rochelle, il s'agirait d'un féminicide. L'homme aurait tué sa femme avec une arme de poing avant de retourner le pistolet contre lui. C'est sa sœur qui aurait fait la macabre découverte. Depuis le 1er janvier, 70 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est une découverte surprenante faite sur une plage des Landes. 500 kilos d'obus de la Seconde Guerre mondiale ont été trouvés sous le sable, un véritable arsenal détruit hier par les démineurs. La plage de Messanges restera fermée au public quelques jours pour procéder à des vérifications. La pouponnière du centre départemental de l'enfance et de la famille à Aisine a été entièrement rénovée et modernisée. Les travaux, retardés notamment par la Covid, ont duré 5 ans. Inauguré le 18 septembre dernier, le nouveau bâtiment éco-responsable offre un cadre de vie plus chaleureux et plus adapté à la centaine de bébés de 0 à 3 ans accueillis chaque année ici, sur décision de justice et pour certains nés sous X. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. On est loin des bâtiments d'origine construits en 1934 autour de ce château. Tout en gardant sa façade historique art déco, la nouvelle pouponnière n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Je ne parle même pas de la qualité de vie bioclimatique dans le bâtiment. Il faisait extrêmement chaud par endroit et extrêmement froid en hiver. C'est un bâtiment qui était inchauffable. Donc aujourd'hui, il y a une climatisation naturelle. C'est un bâtiment qui a été construit avec une éco-construction, avec des panneaux solaires sur le toit et donc un cadre de vie qui n'a rien à voir. Avec par exemple un grand couloir pour déambuler quand on ne peut pas profiter du parc. Des espaces communs comme cette cuisine qui ressemble plus à une vraie maison qu'à une crèche. Bien sûr que c'est pensé pour les enfants, mais c'est pensé comme un lieu de vie, comme un petit appartement. Les tables sont à hauteur d'adultes. Ou encore une pataugeoire avec des jets d'eau dignes d'un spa pour petits. Tout ici a été pensé en accord avec les 77 professionnels qui travaillent pour le bien-être des 35 bébés présents en permanence dans ces locaux, avant de retourner si possible chez eux ou d'être confiés à des familles d'accueil, voire adoptés. La partie de la qualité de l'accueil, du travail d'évaluation, d'observation de l'enfant et de préparation de son projet est essentielle. Quand en plus il se fait dans un cadre qui a été pensé et adapté pour prendre en charge ses besoins et qu'on a ces petits plus, là on est vraiment satisfait, c'est très porteur et ça nous permet que les professionnels donnent le meilleur d'eux-mêmes pour accueillir ces enfants. Coût total de l'investissement, 4,6 millions d'euros. Et pour info, ce week-end, les Restos du Cœur organisent une collecte complémentaire pour répondre au nombre croissant de bénéficiaires en Gironde. Ils seront environ 140 bénévoles dans les supermarchés du département pour récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. La tempête Alex s'abat sur la côte atlantique. Elle va laisser des perturbations importantes ce week-end. Attention notamment sur les côtes girondines et landaises, pardon, ainsi que dans le Pays Basque. Une vigilance jaune au vent violent est en vigueur cet après-midi. Soyez prudents, notamment sur le littoral. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.